Voilà, et après ça reprend sur la deuxième partie. Ça fait ça fait 5, 6, 7, 8, le dernier truc pour reprendre la deuxième partie après qui commence par le Sesame Street parce qu'on est en bas. Ça fait 1, 2, et après vous allez voir, ça fait ça après. Ok, bisous, rendez-vous sur la deuxième partie. Bonjour tout le monde, donc voici le petit tuto mais léger hein, pour apprendre la choré, la deuxième partie de la choré Do Maybe, d'accord? Alors on compte 5, 6, 7, 8, 1, 2, on fait rien ou on fait un petit truc à nous, d'accord? 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1, 2, ce que vous voulez, hein. 1, 2, ce que vous voulez, ok? 1, 2. 3, je vais à droite, d'accord? 3 et 4 et. Ensuite, je vais en haut, pied droit toujours. 5 et 6 et je retourne en bas. 7 et 8 et. Et je regarde dans les directions, d'accord? On recommence. Et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et on ferme à gauche. On ouvre, 7 et 8 coups d'épaule, 8. Les enfants, vous faites juste 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vous vous arrêtez à 8 et vous faites 1, 2, 3, 4. D'accord? Les grands, ceux qui dansent déjà, vous faites et 7, épaule 6, 7, 8, et 7, 8, 1, 2, 3, 4. Vous allez faire le hurting me. Donc, 5, c'est ma main droite qui va pousser à gauche. Mon corps, il est du côté droit. 1, 2, c'est toujours ma main droite qui pousse à droite et mon corps il part du côté gauche. Ensuite, ma main droite, elle passe, elle jette quelque chose. Elle jette, pareil, on regarde, on regarde, on regarde. Donc, elle jette. La main gauche, elle sort, elle se range comme ça. L'autre, elle part, hein, d'accord? Ça fait poum et vague, vague. Ensuite, on va bien 1, 2, 3, 4, on a terminé là. On va ouvrir à droite. 1 et 2, on lâche tout. On lâche le bassin en avant, les bras en arrière, mais pas comme ça. Hein. On calme. Et la tête, d'accord? Donc ça fait. Et 1, 2. Donc droite, gauche, droite. 7, 8. Droite, gauche, droite. Ok? Donc droite, gauche, droite. On repart droite pareil. On plonge et on ouvre. On plonge, on croise, on ouvre. On plonge, on croise, on ouvre. Donc, droite, gauche, droite. On recommence, début. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Plus vite. 7, 5, 6, 7, 8. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. 5, 6, 7, 8. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ok. Ensuite, on va faire mes genoux et 1, le bras il part avec le genou comme ça, et droite, et ok, et une fois que vous arrêtez là, 1 et 2 et on caresse, c'est-à-dire on est comme ça, on ouvre et on ouvre. Et on ouvre, d'accord? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là on fait ce qu'on veut, 1, 2, 3, 4, d'accord? Ensuite le refrain, 1, 2, 3, 4. Ça c'est le pied droit qui tape, d'accord? Et les mains, elles tapent à gauche. Donc ça fait do maybe. Là c'est do maybe. Vous faites ce que vous voulez. Do maybe. Ta la ta 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 ta. Et après il fait encore do maybe. Do maybe. Là vous allez prendre la jambe droite. Et on lâche quelque chose au ciel. Lâche. Lâche. D'accord? Et on passe la jambe droite derrière pour tourner. Ça va faire clac. Clac. D'accord? On reprend tout. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, lâche, fais ce que vous voulez, 1, 2, 3, 4,
Do maybe, do maybe. Na 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 na. Ensuite, deux derniers steps. On prend le pied droit. On se met comme un sumo. Donc, quand vous avez terminé, 1, 6, 7, vous vous mettez en bas. 8 et 1. Donc, c'est le pied droit. D'accord? Et 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et ta ta ta. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et ta ta ta. 5, 6, 7, 8. Pa, 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 et, pa, pa, pa. Ok, et une fois que vous avez papa, on fait droite, gauche, droite, gauche, freestyle. Fini. Donc, droite, gauche, je fais le dernier pas. Vous avez vu, ça fait droite, gauche. Les bras. Le bras gauche. Quand c'est le pied droit, c'est le bras gauche. Donc, on chasse quelqu'un qui va pousse-toi. À chaque fois, on fait comme ça. Les bras, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais après, vous pouvez le faire avec votre style. Donc, si on marche en même temps, on fait le pas en même temps. Et après, on va rajouter un petit snake. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, freestyle. Si on rajoute un petit peu plus de style à ce pas, on va faire 1, on se plie, on met le snake, la tête, et, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Là, je suis sur les jambes, droite, les bras, gauche, droite, gauche, droite, ok? Et après, freestyle. Voilà!
Bonjour tout le monde, donc voici le petit tuto mais léger hein, pour apprendre la choré, la deuxième partie de la choré Do Maybe, d'accord? Alors on compte 5, 6, 7, 8, 1, 2, on fait rien ou on fait un petit truc à nous, d'accord? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ce que vous voulez, hein? 1, 2, ce que vous voulez, ok? 1, 2, 3, je vais à droite, d'accord? 3 et 4. Et ensuite, je vais en haut, pied droit toujours. 5 et 6. Et je retourne en bas. 7 et 8. Et je regarde dans les directions. D'accord? On recommence. Et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6. Et on ferme à gauche. On ouvre. 7. Et 8 coups d'épaule. 8. Les enfants, vous faites juste 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Vous arrêtez à 8 et vous faites 1, 2, 3, 4. D'accord? Les grands, ceux qui dansent déjà, vous faites et 7, épaule 6, 7. Et 7, 8, 1, 2, 3, 4. D'accord? On reprend. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. 1, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Ensuite. 1, 2, 3, 4.